étranger. Parce que les gars d'insécurité, nous toutes victimes. Nous sommes comme des journalistes qui disparaissent. Nous sommes comme des journalistes qui mourent. Eh bien, nous toutes, nous avons intérêt pour que la police qui est efficace. Eh bien, c'est corruption pour nous combattre. SPNH, remerciez-nous. Merci beaucoup. Bah nous, non, moi, je vais quitter Popia. Je vais faire une photo à Kizia. Voilà. Une photo à Kizia, nous avons pris. Je vais quitter Popia. Non, non, non. Je vais quitter le nom. Non, non, non. SPNH, comme annoncé, SPNH, a lancé le combat contre la corruption dans la police. Nous connaissons qui sa corruption fait Haïti. Nous connaissons qui sa corruption fait l'institution. La police, c'est une institution qui est affaiblie, qui est crasée. Qui a tout subi, tout ça subi à cause de corruption. Je veux dire, si la police n'a pas servi nous, si la police n'a pas là, il n'y a pas un hélicoptère, il n'y a pas un bon blindé, il n'y a pas un ZAM. Nous avons une bonne police qui est obligée de courir quitter le pays. Parce que nous avons une situation difficile, c'est à cause de corruption. Je veux dire, SPN a envoyé un message à la société, il a envoyé un message à tous les policiers, il a envoyé un message à ça qui est à l'étranger, qui a souffert, nous avons une situation parce que ils ont quitté le pays parce que seulement insécurité. Et la police a été capable. Résoudre ou bien pas jouer participer pour ne pas arriver pour nous arriver aujourd'hui. Eh bien, SPNH, qui est le syndicat la police, là, lui, lance la bataille contre la corruption. Je n'ai pas gardé là. Je n'ai pas remettre la presse, copilette là, ça c'est accusé, là, qui dit, mets ensemble de dossiers pour regarder pour nous regarder comment ça y est. Et ce n'est pas ça seulement. Nous avons l'autre dossier qui parle de l'ILCC et nous avons l'autre dossier qui parle de coup de compte parce que nous demandons audit sur la police. Là. Parce que je dis à lui clair que l'institution ne peut pas fonctionner tant que nous ne combattons pas la corruption. SPNH, lui lancer combat corruption parce que en 2024, c'est une année de bataille, c'est une année de goumé pour nous camper la police là, pour la police servir la population. Pour la police là, il y a moyen parce que nous avons 20 millions de postes dépensés dans la police là, mais qui ne viennent pas joindre nous. Ok? Les gens qui parlent avec nous là, il y a 19 ans dans l'institution. Uniforme qui sous moyen. J'en ou même non, uniforme qui sous moyen, c'est moi qui fais. Et moi, je baille coup de lit. Je n'ai pas balle qui sous moyen, je n'ai pas marqué et PNH parce que c'est moi-même qui achète la l'argent. Est-ce qu'une institution va continuer à marcher comme ça? Non. Nous-mêmes dans SPNH, on dit corruption, c'est le poison, on n'a pas attaqué corruption et tout le monde qui est dans corruption. Tout le monde qui a gagoté l'argent sous la police, ou bien qui dans la police, ou bien qui dans l'autre institution qui utilise la police comme vache à l'air, doit gagner la justice. Nous croyons dans l'USCC, nous croyons dans la justice pays nous, et bataille ça, c'est une bataille qui est permanente. Bataille ça, c'est une bataille de longue haleine, et il y a des jeunes garçons et des jeunes femmes. Pas oublier, SPNH, c'est lui-même qui a eu courage pour le dénoncer. Une bonne bagarre qu'a fait dans la police, et bien je dis, il prend une autre route. Route ça, c'est route côté, nous allons mener une vraie bataille là, parce qu'il y a des gens qui sont corrompus, il y a des gens qui participent dans le gal, qui participent dans le gagoter l'argent. Pour qu'il ait aidé nous-mêmes, nous jouons gilet, nous jouons casse, nous jouons bon blindé, nous jouons hélicoptère. Je dis à nous que, au lieu de renforcer la police, au lieu de nous moyens pour nous faire ce job-là, c'est plutôt un pays étranger. Déjà, nous sommes dans un pays étranger. Nouvelle là, c'est 300 Kenyans qui viennent en février. Nous avons pu venir depuis plus qu'un an. 300 policiers Kenyans qui viennent. Pour qui ça, 300 policiers, ça a eu un résultat? Pendant ce temps, il y a des milliers de policiers dans le pays. Il y a des milliers de policiers dans l'institution. Il y a plusieurs centaines dans la mer. Pour qui ça, il y a un gaz, il y a un moyen pour faire travail là. Eh bien, nous-mêmes, dans l'SPNH, nous disons, poison corruption, nous lançons bataille contre lui. Nous prenons courage, nous avons deux bras. Et la nation a bien pour songer que ce n'est pas nous tous dans la police. Ce n'est pas nous tous dans le pays d'Haïti qui on rentre dans la corruption, qui est à l'aise dans la corruption et qui est à l'aise pour le pays à côté de gens liés aujourd'hui. La police a un résultat, c'est si les gens qui dirigent le gain volonté et si les gens qui dirigent le coupé fâché avec la corruption. La bataille contre la corruption est lancée en dans SPNH, c'est en dans la police. Il faut que l'État, il faut que l'ULCC, il faut que l'UCREF, il faut que l'on fasse audit sur la police pour nous connaître pas 4 millions de pour qui ça va pas de gilet, pour qui ça va pas de casse, pour qui ça va pas de nous. Un policier a touché aujourd'hui $168 américains. Notre économie a une inflation de plus de 53%. Qui sont vous qui résultat? Un policier aujourd'hui, il faut un policier pas de gilet pas mal. Les âmes qui nous mettent, c'est les âmes qui ne répondent pas vrai. Aujourd'hui, il est important pour que nous connaissions que.
c'est pas nous tous dans la société, et pas nous tous dans la police. Mais qu'on est un peu critique qui vient vers les policiers. Mais là, nous cherchons qu'on est qui ont un policier à vivre, et bien nous comprenons qui ça fait travail là. Qui ça fait ce travail là, pas qu'à faire gens de fête là. Pour qui ça joue à nous pas un hélicoptère. Pour qui ça joue à nous pas un bon blindé. Pour qui ça blindé ou t'acheté là. Et parmi nos dossiers, ça y est, pas regarder combien de blindé ou combien de matériel acheté maintenant, pas pile million. Blindé ça y est, acheté là, et pas blindé. Et pas, y a pas vos prix qui pensent pour vous. Blindé ou pas de qualité. L'important pour que nous ayons un bon blindé, pour nous ayons un hélicoptère, pour faire travail là. La police là, pas qu'à être dans la corruption. Tant que quelqu'un est dans la corruption, il n'y a pas besoin de cabaret. Si nous non, et on dit ça, c'est sous administration et DGLBA ou... Non, nous-mêmes, nous ne pouvons pas mener bataille, nous ne pouvons pas mener une bataille contre le monde. D'ailleurs, nous n'avons pas un problème personnel avec personne. Nous-mêmes, dans SPNH, nous avons gardé l'institution. Audit, dossier de balguin pour nous porter dans un coup de compte par exemple, lui concerne audit sous 10 dernières années dans la police. Il en est de même pour dossier parler qui vient de l'ISSC parler dans l'ICREF, c'est un dossier sous des années qui concerne plusieurs commandements. C'est important pour que nous disions, nous gardions qui s'est fait à l'argent. L'argent qui vient non seulement de taxes, qui vient de population, mais l'argent qui vient tout de l'autre peuple, soit peuple canadien, peuple américain, l'autre peuple qui bat nous, des millions. Qui vient dans la police et qui passe rien. Qui vient dans la police et qui passe vie pour la police. Parce que sinon, nous avons un hélicoptère, nous avons un chat, nous avons un. Je veux dire là, passez nos commissariats et les journalistes, regardez comment les policiers vivent. Les policiers, c'est un pas côté bête habité. Pendant ce temps, les policiers ont touché 168 dollars américains par mois. Les policiers là, qui, même si vous êtes agent 4, sous d'homme, pas touché agent 4. Depuis 4 ans, je touché agent 3. Les policiers là, qui sont inspecteurs, qui touché agent 3. Les policiers qui inspectaient divisionnaires, pendant ce temps, l'a touché agent 4. Parce que la police, là, c'est un vache à l'air, un bon monde à utiliser pour faire cob. Bon, ben, nous rubriquons dans le budget de la police, là, nous ne savons pas qui ça a utilisé, qui ça a fait avec eux. C'est ça, nous demandons l'État, nous demandons USCC, nous demandons ICREF, nous demandons coup de compte pour aller garder pour nous. Garder pour nous ce qui passe dans la police. Là. La police n'a pas qu'à descendre de Bibali. Trop important pour nous quitter la police à craser. SPNH prend courage derrière les bras et demande toute société à camper en bas, camper derrière la SPNH et nous, tous policiers, je veux dire là, nous en mode côté pour nous pas demander, mais pour nous exiger, bah, nous ça nous doit. Nous pas courir pour nous bloquer, même j'ai des centaines bloqués au Mexique, ça qui a passé misère au Nicaragua, ça qui s'est domaine parce que la situation est difficile pour eux. Toute société a doué ensemble qui dit ah bah corruption dans la police et c'est corruption qui est mettée faire la police comme ça. Je veux dire à nous toutes. Qui c'est journaliste, qui quel que soit le monde dans la société, si tu es un policier efficace, qui a des résultats, je veux dire Haïti pas prendre ça. Si 12 mars 2021, tu es l'État, tu es campé, tu es posé des actions, je veux dire qu'il n'y a pas de côté lié. Commandant, qui a dit là, c'est Franz LB, son policier qui fait carrière dans la police. Je veux dire, nous dit qu'il faut avoir plus de résultats. Et nous te disons déjà, le fait que pendant 2 ans, il n'y a pas de résultats, nous-mêmes nous disons que nous-mêmes, l'État doit tirer la révérence. Comme étant donné, ce n'est pas nous qui avons décidé de ne pas avoir un pouvoir pour nous changer de directeur, mais s'il l'a toujours, il doit assumer. Il n'est pas capable de Kenya pour aller pour policier pour venir. Pendant ces policiers par lieu là, moins d'un moyen pour nous travailler, moyen pour que nous fassions un job, pour nous servir la population. Mais comme bagaille, on va m'aller. Je vais rappeler pour nous et SPNH, nous-mêmes nous réfléchissons pile sur ça. Si. Nous avons une force de police efficace, c'est vrai, là-bas, nous avons des résultats. Mais, si les gens qui sont dans la rue, si les gens qui sont dans le ghetto, si les gens qui sont dans la situation, nous avons des capitaux populaires, si nous n'avons pas de chance pour aller à l'école, si nous n'avons pas de chance pour venir des citoyens demain, même si j'ai un petit policier qui mourit, Haïti, pourquoi sortir dans la sécurité? Il faut que je dise tout, l'important pour que nous gardions comme une base société. Mais si nous finissons résoudre le problème de Mounio, il faut que nous arrivions sur entrepreneurs. Entrepreneurs de l'insécurité, les gens qui investissent dans l'insécurité, les gens qui profitent de l'insécurité pour faire millions. Chaque fois que les gens mourent, les policiers ou bien les civils, ça ne va pas interpeller les personnes. Parce que l'insécurité, c'est une source côté en pile de gens qui font millions. Entrepreneurs de l'insécurité, il faut nous arriver sur eux. Il faut que la justice arrive sur eux. Il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'il y ait des prisons. Parce que la situation est difficile. En pile, elle est difficile pour nous tous. Policiers a kidnappé. Nous avons des policiers jusqu'à présent, nous avons inspecteur divisionnaire. Qui, parmi deux, ont été kidnappés dans l'espace de 8 jours, il y a jusqu'à présent. Qui? Non, mais bandit. Avec des policiers, policiers, ils ont subi, ils ont vécu l'insécurité dans la chair, dans l'homme.
Nous croyons que l'ISCC a fait suite pour le garder pour nous. Et nous croyons que la bataille n'est pas aujourd'hui. Elle a commencé avec SPN aujourd'hui. Elle doit continuer. Chaque cas nous joue. Nous avons porté le bail à la justice. Chaque cas nous avons fait des marches sous lui. Parce que nous avons un bon cas de corruption qui a passé. Actuellement, pendant que nous parlons là, nous avons des policiers qui nous sentent, qui ont dit nous, prime de risque pour eux pas venir. Il y a des policiers qui sont en polyfonte, qui ont pris des risques qui ne sont pas joints. Qui ça? Nous tendons des matins sur Radio Caraïbes, il y a des dizaines d'employés civils qui nommés depuis 3 ans, ils n'ont pas touché. Nous connaissons SPNH, pas seul syndicat qui est dans l'institution. Est-ce que c'est une démarche que nous faisons? Nous ou bien nous souhaitons l'autre syndicat rejoindre notre démarche? SPNH, pas mandé seulement les syndicats, mais tout le monde qui croit que la police doit être efficace, vient. Je rejoins nous, bataille contre la corruption, nous lançons et 2024, nous allons jouer une police qui est obligée, qui est obligée, responsable. Si vous êtes responsable, fort, vous avez un résultat. Les policiers ne peuvent pas continuer à mourir, les policiers ne peuvent pas regarder les familles, ils ne peuvent continuer à mourir, les petits, ils ne peuvent pas les policiers, je dis, c'est quand même une minorité, parce qu'ils ont quitté la zone côté de l'autorité. Mais l'important, je dis, pour que SPNH, société, tout le monde ensemble, pour nous combattre la corruption dans toute institution, on a commencé dans l'institution de la police qui est importante pile parce que sans sécurité, nous n'avons pas une société qui est stable et pas un développement sans sécurité. Thank you.